Hey yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme vous le savez, la nouvelle saison de Fortnite est sortie donc hier. Parce qu'aujourd'hui on est actuellement mercredi, la mise à jour est sortie mardi. Sauf que vous le savez bien, avec ma connexion, je n'ai pas pu faire la mise à jour avant. Voilà, tout simplement, donc j'ai pas pu faire non plus la vidéo avant, sachant que la mise à jour n'était pas faite. Donc, sans plus attendre, je vais vous emmener directement sur Fortnite. On va découvrir en même temps la vidéo qu'il y a pour la nouvelle saison. Je l'ai pas encore ouvert, donc du coup on va voir ça ensemble. Donc c'est parti, j'active le jeu et vous aurez quand même ma petite tête à côté. Bon allez, je mets le jeu. Donc voilà, ça y est, on a ouvert le jeu la team. Maintenant on va voir comment est la petite vidéo qu'ils ont fait pour la nouvelle saison. On va voir du coup le pass aussi, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre dedans. J'espère, enfin je suis vraiment pressé de voir en tout cas ce qu'ils ont implanté du coup dans la saison là. J'ai entendu par rapport à des connaissances que j'ai. Le jeu a priori il y a juste des modifications par rapport aux armes. On peut les fabriquer ou je sais pas trop quoi, mais non je sais pas du tout, j'ai pas encore fait de game, j'ai pas encore lancé le jeu, donc je ne peux pas vous dire. Mais a priori il y a des modifications par rapport aux armes, on peut les fabriquer d'après ce que j'ai compris, ou un délire du genre. Donc là déjà on va voir la vidéo. Voilà. C'est un thug, Johnny. Oh là. Pouah, putain. Les cinématiques par contre qu'ils font en Fortnite maintenant, elles sont vraiment super bien faites. Hein. C'est un truc de ouf. Banane. Ah bah plus de banane. Ah, du jus de banane. Boum. Non, oh, genre à la Matrix les gars. Vas-y, vas-y. Oula. C'est quoi? J'ai pas compris, ça a fonctionné, ouais. Il y a une météorite qui est arrivée, ok. Ah. Bon, je sais que vous n'avez aucune raison de me croire, mais... Oh, attendez, écoutez. Oh le pauvre. Geno, je peux vous trouver Geno. Et les sœurs. Je peux vous les trouver. Mais j'ai besoin de vous pour régler ça. Marché conclu. Pour l'instant. Pour l'instant. Voilà qui est rassurant. Il a l'air vénère lui. C'est notre billet retour. J'espère ne pas le regretter. Dis au boucleur de se préparer. Il nous reste peu de temps. Le boucleur? Encore toi? Ah. Non, oublie. Accroche-toi. Un jour. C'est stylé.
C'est pas moi. Il y a eu un incident. Tout est tellement enchevêtré. Je sais pas si c'est réparable. On n'abandonnera pas. Qui a parlé d'abandonner? Préparez-vous. Quand point zéro va éclore, plus moyen de faire machine arrière. Oula. Oh non, des portails sont apparus. Ce sont pas des portails. La réalité s'effondre. Donc, on les ferme, c'est ça? À ton avis. D'accord, on s'en occupe. Ah. Ok. C'est stylé quand même. Les instabilités risquent encore de s'aggraver. Attention aux vagues de réalité. Compris. On fera attention. Les vagues de réalité peuvent tout transformer en... Oh. Je suis un papillon. Celle-là était violente. Est-ce que tout va bien, Andra? Je suis un papillon, donc... Non. Bon, non, mortel. Tu vas devoir être mes yeux et mes oreilles. Et mes bras. Faut que je prenne ça du coup. Ok. Je peux compter sur toi. C'est énorme, c'est super bien fait. Ça c'est fait. Un en moins. Ce n'est pas bon du tout. Mais c'est où les autres? Au travail. Il va falloir plus de temps. Continuez. Compris. C'est où tous les portails là? Le prochain est vraiment loin. Si seulement on pouvait. Oh, 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 je peux téléporter. Ah bon bah. J'ai des petits lags par contre. Ah je suis un poulet maintenant. J'ai rien dit. Tu es superbe! Il est gentil, hein! Et c'est la première fois qu'on a une fluide! Je vais pas tenir éternellement! Tenez bon! Je nous transporte au troisième portail! Téléportation! Oh, y'a des loups! Y'a des loups maintenant! C'est quoi ça? Des réalités alternatives commencent à surgir! Il faut qu'on se dépêche! Oh! Une vague de réalité! Oh! La réalité doit avoir une dent contre moi! Pas mal le look, ça te va bien? Tac! Normalement il en reste un! Ah, ça fait une fleur! Un lotus! C'est trop! Continuez! Continuez! Il n'y en a plus qu'un! Tenez bon! Il est où? Là! Je fais tirer dessus, oh! Une petite vague de réalité serait la bienvenue! Qu'est-ce qu'ils font? Bah, casse-toi! Hop, des petites poules maintenant! Oh, bien joué! C'était le dernier! Je crois qu'on a réussi! Ok, et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Wow! C'est intense! Ok, la prochaine étape est primordiale! J'avoue, c'est grave stylé par contre! Ok, et je dois faire quoi maintenant? Il s'est fait une tour le mec en mode normal. Faut que j'aille en haut ou quoi? A priori je peux grimper. Ah bah voilà. Je dois pouvoir grimper tout en haut. Il va falloir que je l'aide à faire je sais pas quoi. Par contre, c'est vraiment stylé, hein! Ils ont géré leur truc, hein! Bah,
Ok, je dois faire quoi? Oh là, il va partir, Jones. C'est-à-dire que Jones va être enfermé dans le point zéro. Fortnite saison 6, passe de combat. Ah, donc tous les skins en quoi on s'est transformé, ça se trouve c'est tous les skins du pass de combat. L'île est devenue sauvage. Faites-en de même. Fortnite saison 6, instinct primitif. Bah franchement, stylé le petit événement qu'ils ont fait, enfin l'événement façon de parler. Bientôt disponible, Neymar JR. Un pass de combat c'est ok. Ouais, vu que j'ai le club en gros, j'ai le pass de combat. Passe du club de mars reçu, prochain pack 1er avril, ok, 1000 V-Bucks. Ah ok, ouais, bah ouais, c'est parce que j'ai pas, c'est pour ça que j'ai eu Jonesy. Agent Jones. Bon, du coup, on a quoi? On va regarder tout ce qu'on a. Ici, nous avons coup de balai, c'est une petite émote. Ok, c'est claqué. Ça, un carquois de flèche, ouais. Des V-Bucks. Pactage de Jones, ok. Accomplissez des quêtes pour déverrouiller des des instantanés de la mission de l'agent Jones pour sauver la réalité. Ok, ça c'est qui? Lara Croft. Sérieux, Lara Croft. MD, un genre on a Lara Croft et on va jouer à Tomb Raider les gars. Ah c'est stylé ça. Voilà, ok. Pistolet à levier, donc ça... piolet à levier plutôt, pistolet. Ça va aller. Donc, des petits outils de récolte. Une traînée. Ouais. Flamme de spéléologue. Ensuite, nous avons manœuvre d'esquive. Ah, c'est ce que Jonesy... Ouais, non, c'est pas ce que Jonesy l'a fait pendant le pendant la vidéo. C'est stylé, ça, par contre. Ça, ok. DB Bugs. Un petit planeur. Lara Croft, 25e anniversaire. Oh, c'est les tout premiers Lara Croft, ça, non? On dirait Lara Croft dans les premiers qui sont sortis. Elle y ressemble, en tout cas. Peut-être pas les tout premiers, mais elle y ressemble beaucoup. Ça, un camo, ok. Charge jurassique, ok, ok. Ça, c'est nul, on s'en fout. Ça, un outil de collecte. Ouais, il y a mieux. DV Bugs. Tarana. Donc, Tarana, ok. Un petit skin, ouais, elle a l'air sympatoche. À voir s'il y a des couleurs différentes. Enfin, des styles différents. Ensuite, nous avons un planeur. Patrouille osseux. Ouais, pas trop mal, ça va. Ça change. Ça, ok. Spectacle de cartes. Oh bah genre. Ah, il est doué. Ouais. Bon, ça revient toujours pareil après, ok. Donc ça, une image. Gratuit, ça. Accessoire de dos. Dino planche. Pas trop mal, c'est sympa ça. DV Bugs. Une traînée. Plume de dino. Ok. Ça... Tarana, armure X, traction. Pas trop mal. Ouais, ça va. Ça passe. Ensuite, on a une pioche. Enfin, un outil de collecte H de... H cristalline des maîtres. Ok. Un revêtement, un planeur. L cryptique. Et ici, nous avons parchemin infini. Ouais, pas mal. C'est sympa aussi. Avec les petits effets qu'il y a dessus, c'est propre. DV Bugs, ici nous avons encore pactage de Jones, bon 31. Je sais pas c'est quoi la différence entre les autres, mais bon c'est pas grave. Raz, tenue légendaire. Ok.
Donc ça, c'est le perso légendaire, du coup, de la série. Bah non, même pas, c'est niveau 50. Un perso légendaire du pass, du coup, niveau 50. Moi, c'est toujours ça de prix, moi je prends. Posture onirique. Ouais, on peut voler, pas mal. Ça, ok, une traînée. Un sac, sac à la coque. Ouais, le petit jeu de mots. Ça va avec la poule, ça. Des V-Bucks, un planeur, du coup, un flottant. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Quête, pactate de Jones, bon 42. Je comprends pas, encore une fois. Ouais, c'est toujours le même sac, en fait. Ça, piou-piou. Il y a vraiment un skin piou-piou, les gars. Il est énormissime. Piou-piou. Oh non, lui, je vais jouer avec, je pense, quand je vais l'avoir. Moi, j'ai le temps, palier 61, mais bon. Beatboxing, non, c'est sympa. J'aime bien le beatbox. Ceux qui savent en faire, ils sont forts. Outil de collecte, cuisse charnue. Ouais, sympa. On va se battre avec des petites cuisses de poulet, là, tranquille. Ça, ok. Un petit camo. Petit poussin. Là, ou alors, en pleine game, peut-être qu'il éclot, j'en sais rien. Ouais, réactif, voilà. Donc, plus on avance, je pense, et plus il éclot, en fait, avec le camo. Ça, ok. Ça, c'est quoi? Sac à la coque bleuvagesque. Ouais, pas mal. Donc là, il y a piou-piou bleu vagesque. Ouais, il est chelou en bleu, par contre. Bon, ça change de style, mais bon. Je préfère le jaune, il est plus sympa. Ça, ok, une petite musique. Fille de Trigon. Ok. Un planeur rapace spirituel. Oh, ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime bien, les gars. Ça me botte. Des V-Bucks, on s'en fout. Éclosion zéro. Un revêtement. Lui aussi, il est propre. J'aime bien les revêtements comme ça qui bougent, moi. Encore un sac, donc toujours pareil, je sais pas ce que ça change non plus. Rebirth Raven, stylé comme perso ça. J'aurais plus mis ça moi, admettons, en perso légendaire. Série DC. Ah, série DC Comics, ok. Ok. Outil de collecte, forme astral. Astral, oh le jeu de mots, astral. Des V-Bucks. Une petite image encore, nana, ça c'est quoi, accessoire de dos, portail interdimensionnel, ok, ouais c'est un peu chelou mais c'est bien fait, ça reste bien fait, on est d'accord. Ça après, qu'est-ce que nous avons, ici nous avons Azarath Metrion Zintos. Puissant. DV Bucks, Raven en classique, ok. Derrière, nous avons Pulsation de la Flèche. Très joli aussi comme camo. Avec les petites animations bleues à l'intérieur des traits, là. Ça, ok. Ensuite, nous avons ça, on s'en fout. Ça, c'est quoi? Planeur légendaire. Feu de la Flèche. Ouh. Très joli. Ça aussi, j'aime bien. C'est très joli. Ça, on s'en fout. DV Bucks. Gratuit guide spirituel. Donc ça, du coup, ça va avec le planeur. Pareil, c'est stylé. Ensuite, une traînée, outil de collecte, flamme de la flèche, des V-Bucks, le skin sang du coup, assassin de la flèche. Il est propre, assassin de la flèche. J'aime bien les skins comme ça, moi. Tout fermé en armure et tout, là. Il est très joli. Elle défend un monde au-delà de la réalité intégrée. Comment ça, j'ai pas compris. Et gardienne de la tour, émote. Ah, bah elle est mieux que son masque. Bon bah ça ok. Donc le pass. Tout ça c'est fait, ça c'est quoi? Une émote et pouf. Ah c'est un petit pouf. Ça c'est sympa. Lara Croft classique. Ah non, ça c'est les toutes premières Lara Croft. Ouais là on voit qu'elle est vraiment dégueulasse. Donc ça c'est les toutes premières, ok. Tarana Indigo. Ouais sympa aussi, pas mal. Piu Piu Exploseur. Explosif plutôt. Il est stylé comme ça. J'aime beaucoup en noir et avec les croix, la croix rouge et tout là. Pas mal. Rachel Roth. Série DC. Ok. Donc ça c'est Raven je crois d'après ce que j'ai compris. Et derrière nous avons encore des petits trucs cachés. Ok. Bon bah c'est vraiment super sympa. On a vu tout le pass de combat. Je veux juste voir ça avec vous. Après je pense que du coup je ferai d'autres vidéos par rapport aux défis. Parce qu'il doit sûrement y avoir des défis. Voilà donc là j'ai tout ça à découvrir du coup sur la map. Ça a l'air d'avoir changé. C'est quoi ça? Fabriquer des objets. Donc voilà, ça doit bien être ça. Il y a bien des armes à fabriquer. Je pense que c'est ça. Trouver des reliques dorées près de la flèche. Au milieu, ok.
obtenir des pièces mécaniques sur des véhicules, remorques, bus ou tracteurs. Ok. Fabriquer une cape de chasseur. Ça va falloir voir où est-ce qu'on fait ça. Chasser la faune sauvage. Et dans 13 jours, un nouveau défi. Ok. Et ben, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs. Bon, bon, en tout cas, c'est nickel. Bah, je pense que je vais faire des vidéos, du coup, défis. Donc, des défis de la semaine. Les gars, ça va être la fin, du coup, de cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Avec la cloche notif, du coup, pour le peu qu'une des prochaines vidéos qui vont sortir. Sachant que je vais sûrement faire les vidéos défis, du coup, de la semaine. N'hésitez surtout pas non plus à lâcher le gros pouce bleu, la team. Ça fait extrêmement plaisir à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont en description. Et moi, la team, du coup, je vais vous dire ciao. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo, du coup, sur les vidéos Fortnite défi. Allez, salut tout le monde.